licencié en magie. Nathan a classe en magie. Na sala qui grande distinction. Ngande na bimisaka idée ndé na opé sabana miké kindo. Oh. Esa idée na ngamene na koma ko regretter mais c'est déjà tard. Ngamne bimisaka idée parce que kala kindo kesa na ba mikolo. Mais le lot kindo kesa ma casse na bana miké ke ba mikolo. Donc ngande na bimisaka idée opé sabana miké kindo. Alors Satan se plaît na ma casse. Donc les... Merci. Alors, quand l'étoile, vous voyez ici, le point est au-dessus. Oh. Ici, il y a deux pointes. Hein? Ça, c'est la tête de Satan. C'est à la forme des boucs. Maseke. Oui, c'est inversé. C'est inversé. Inversé, c'est la forme des boucs. Oh. Alors, quand ça a la forme des boucs, c'est la tête de Satan. C'est la tête de Satan. Alors, la différence. Pardon. La différence entre les deux cercles, ça. Le premier cercle, c'est avec le bout au-dessus. Ça, on utilise ça dans la magie blanche et ça, on utilise ça dans la magie noire. Attention, même si on utilise ça dans la magie noire, là, dans la magie blanche, sont les oiseaux de même plumage. Pentacle, ça, l'église, belé, tout le monde. Ça, c'est. On appelle ça les signes Sivastika. Sivastika, Oyo. Aux hommes, on a un soldat à Hitler. Regardez bien. La guerre à 40 à 45, le basoda était le allemand. C'est le signe qu'on a laissé d'allemand. Avec signe, on a dit que c'est aux royautés. Au Colimo. Il y a eu des gens, même en RDC, à l'époque, entré à Fidel. Hein? Il y a eu des gens, général, Babé, à Limbabi, à Zak, quelque part. Il y a eu des gens. Ah, signe, moi. Petit mot kabbalistique. Kabbalistique veut dire mystérieux. Mystérieux. Des signes kabbalistiques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Satan, tous les démons, Astaroth, Bézéboul. Satan, tous les démons, Astaroth, Bézéboul. Ça fait partie des signes kabbalistiques. Oh, mais on a pas catholique, il n'est pas ça. Moi, je t'ai dit ce que moi je sais, je ne connais pas l'Église. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit. Amen. Même le Kimbangi, c'est le Barangoto. Combo à Tata, moi, Namoulimo. Bon, moi, je t'ai dit ce que je connais. Voilà, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez, Jérémy Luemba, les renards du désert est devant vous en tout cas. Encore une fois, merci pour votre confiance, pour la fidélité renouvelée. Je crois que nous avons aussi réel plaisir de recevoir pour vous cet ancien magicien, converti, devenu pasteur, pour développer Naïe. L'homme de Dieu, vous allez bien, j'espère. Oui, ça va, la santé, ça va. Alors, mon Dante Botalabisso, on peut démarrer par la prière. Merci. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu nous as fait cette faveur de voir cette belle journée de vendredi. Merci pour cette faveur, demeurer alpha et demeurer oméga, c'est-à-dire du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je rappelle que vous allez ancien magicien. Ming Baibi, ancien magicien Mobutu, parce que Oyevra Ming na Syrie Abazaïr Wana. Alors, quand même, une bonne évolution, Moussala. Oui, évolution, Moussala, ça va. Mais, ma combat, Isa, mais ça va. Vous savez, la plupart des bateaux, la magie, bon moment, les combats sont souvent permanents. Parce que quand on dit science au kill, ça dit secret. Hein? C'est que vous m'excuserez les termes, mais ça, là, Satan linga te ba bimisa sous-vêtement naï. Parce que sous-vêtement, c'est quelque chose qui est occulte, caché. Alors, ce qu'on a bimisa, il y aura toujours des menaces. Mais nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur. Mais est-ce que vous allez rappeler réclamer dans mon amour, réclamer Tilelo? Si, réclamation, ça, nga batwa ben nga. J'ai fait une année, 2023, mon bimba, j'ai eu des menaces physiques, babloko bele, mambele, bele. Parfois interpellé comme un homme politique, je leur dis moi je suis un homme politique. Mmh. Oh non, mais parce que tu avais dit l'autre fois que l'RDC est pandémonium, parce que pandémonium veut dire lié ou règne tous les genres de corruption et de désordre. Oh. Alors, mais comment toi tu as dit que le pays est pandémonium? Alors dit, mais c'est l'agent de la sécurité. Lisez pandémonium, lié ou règne tous les genres de corruption et de désordre. Alors quel est le problème? Alors ça c'est bien. Parlons de la spiritualité. Le lot batoubou talabissu ebele. Matière nous prévoit le lot. Le lot na prévoyait d'abord n'expliquer bas signe. Bas signe
talisman, mascotte, gris-gris, d'une façon terre à terre, fétiche. Mais les fétiches sont quoi? Il y a un moment donné, on a expliqué ce que mon élo qu'on a d'accord. Et pas à papa, non pas à maman. Quel que soit le mouton à fonctionner, je ne cite pas. Même l'église. Même l'église, il y a pas que. Ah, mais le pasteur Claude a dit ça, il y a un moment. Mais retenez un combat, mon tout. Alors, ça, c'est très bien. Pasteur Claude, signe, il y a un signe cabalistique, il y a un moment. D'abord, tout le monde a verset biblique, parce qu'on commence à mettre la parole. Bible, le Bible, on a Osée 4, verset 6. Bible, on a Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, tu dois voir, si nous allons à l'université, si nous étudions, c'est pour avoir la connaissance. Parce qu'évidemment, la connaissance aussi apporte de l'argent. Et la connaissance aussi apporte, n'est-ce pas, la garantie dans la vie d'une personne, parce qu'on est intellectuel. Très bien. Alors, la Bible dit dans Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Je vais parler des signes, mais je vais maintenant utiliser un verset biblique. Pasteur, toi qui me suis, apôtre, qui que ce soit, toi qui me suis, tu prends ta Bible. Nous prenons dans Psaume 74. Psaume 74. Psaume 74, verset 4. La Bible dit ceci. Psaume 74, verset 4. Tes adversaires ont rougi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Temple, quand on dit des temples, c'est l'église. Quand on dit temple, c'est-à-dire là où prient les musulmans. On appelle ça temple. Et quand on dit temple, c'est là aussi les gens évoquent ceux qui sont des mondes occultes. Alors la Bible nous dit dans Psaume 74, verset 4, tes adversaires ont rougi au milieu de ton temple, ils ont établi pour signe leur signe. Écoutez, je sais que la question me serait posée, mais pasteur, c'est comme si vous êtes un peu dans l'ignorance. La Bible parle des signes. Les chrétiens n'ont qu'un seul signe. Notre signe, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est ça notre signe? Oui, oui, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un signe à visite. Il te dit que non, comme vous me voyez, j'ai les bics ici. Il faut prendre cette bic ici, ça va te protéger. Je te fais entrer dans la magie. La meilleure protection, c'est Jésus-Christ. Et je vous demanderai de prier main vide. Je suis passé, je t'ai dit, non, prends ce papier, fais ceci, dis non, je refuse. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Les satanistes aussi adorent Satan en esprit et en mensonge, parce qu'il est le Père des mensonges. Très bien. Alors, Bassine, Mouzani. Les signes, tous les bandana, Oezali, Bassine, Nabansi, vous voyez ça? Bobengango, Bassine, on appelle ça des talismans. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les talismans, ou bien qu'est-ce qu'on appelle mascotte, ou bien qu'est-ce qu'on appelle gris-gris, ou bien qu'est-ce qu'on appelle amulette? C'est ce que c'est le son qui est le nom. Alors, je prends maintenant les dictionnaires profanes. Si tu as les dictionnaires, ce n'est pas moi qui écris les dictionnaires. Nous prenons les dictionnaires profanes. Talisman, mot grec, télesma, qui veut dire rite, objet marqué parfois des signes cabalistiques, auquel on attribue la vertu d'apporter le bonheur ou de conférer un pouvoir magique. C'est ce qu'on appelle talisman. Tu ne sais pas même qu'est-ce qu'on appelle talisman. Donc, talisman, objet marqué parfois des signes cabalistiques auxquels on attribue la vertu d'apporter le bonheur. C'est ça qui apporte le bonheur. Alors, je vais avec les premiers signes. Je vais lentement pour la meilleure compréhension. Dans les premiers signes, nous avons, c'est ce qu'on appelle pentacle. Ah, donc, cercle, mais étoile à cinq côtés. Oui. On appelle pentacle. Alors, pentacle. Mais tu peux me dire, mais pasteur, toi, tu te trompes parce que tu as fait la pédagogie. Dans la pédagogie, il n'y a pas beaucoup de la mathématique. Je suis d'accord. Et tu vas me dire que ceux qui ont fait la biochimie, maths, physique, il y a les pentacles qu'on appelle là-bas pentagone. Pentagone, oui. Pentagone. Mmh. Or, la force de l'État-Unis, c'est dans le pentagone. C'est la force de l'État, c'est la pentagone. Mmh. Alors maintenant, nous allons voir un peu dans les dictionnaires qu'est-ce qu'on appelle les pentacles. Vous tenez pentacle, oui. Pentacle. Mmh. Nous prenons un peu, mais c'est Larousse. Il m'a dit d'aller lentement. Je vais lentement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les pentacles? Pentacle. Vous m'excuserez un peu, ça c'est les dictionnaires. Et une personne m'avait mais passé. Pourquoi toi il faut seulement les dictionnaires? Tu ne peux pas. Non, non, c'est pour seulement montrer. Moi je presse pour les intellectuels et que tout le monde puisse un peu comprendre. Quoi. Allez-y. Alors, on dit pentacle. Vous m'excuserez.
pentacle. Comment je ne veux pas ça? C'est avec E, hein? C'est avec E. Avec E, hein? Merci beaucoup. Oui, allez-y d'abord. Merci d'abord. Merci. Ah oui, c'est ça. J'ai Alors, les premiers signes là, je vous ai parlé des signes dans la Bible, psaume 74, verset 4. On nous parle des signes. Alors, les pentacles, c'est ce qu'on appelle pentacle. On a écrit ici pentacle, pentagramme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pentacle selon Larousse? Professeur, pasteur, suis-moi, prends ton dictionnaire. Et M. Larousse dit ceci concernant les pentacles. Voilà comment on écrit pentacle. P-E-N-T-A-C-L-E. C'est ce qu'on appelle pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pentacle? Dit grec, pente veut dire 5. 5. 5. Talisman en forme d'étoile à 5 branches et portant des signes magiques. Alors, nous allons compter un peu si c'est à combien de branches. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça les pentacles. Alors, toute personne qui porte ça, excusez-moi, même s'il est, excusez-moi là, des gardes-corps, même s'il est millionnaire, sache qu'il fait partie du monde abracadabra. Je suis clair. Ba pentacle oyo tout monde a un ba musicien peu belé. D'autres aussi au monde a ça l'étoile oyo a 5 étoiles mais ba tie lisu na katikati. Oui. Tant ba tie lisu na katikati, je crois je suis un ancien quartier. Sauf tout à la ba combat aux États-Unis, moi si monsieur au monde même na lisu na loboko. Alors soit tie lisu na, c'est ce qu'on appelle les troisième œil kabbalistique. C'est ce qu'on appelle les troisième œil kabbalistique. En fait, le troisième œil est à ce niveau ici. Oui, il y a aussi un mission qu'on appelle Bercy Moine, à Zarnamo. Troisième œil. C'est-à-dire, le troisième œil a la possibilité de voir même quelqu'un aux États-Unis, même au Japon, partout. Spirituellement. Spirituellement, pas physiquement. Je dis bien spirituellement. Alors, on nous a donné, on a dit les signes. Ici, on dit les signes sataniques. Ah, ok. Les signes sataniques. Les premiers signes ici, 1, 2, 3, 4, 5, ce qu'on appelle pentacle. Mais en mathématiques, quand nous voyons même delta est égal à b carré moins 4 ac, là, on parle de pentagone. Pentagone dans la physique. Alors maintenant, deuxième signe. Deuxième signe, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vous verrez que. Au fait, je ne sais pas, excusez-moi, mais apparemment, il y a une différence. Hein? Maintenant, je ne sais pas si tu peux me donner la différence que toi, tu as vu. Comme ça, je vais développer ça. Si vous voyez la différence. Bon, oui. En fait, il y a une étoile à l'intérieur. Oui. Mais. Je veux que tu me montres quelle est la différence des deux. Il y a une différence. Je vais expliquer, mais quand toi, tu vois ça. Parce que l'autre personne peut porter ça, l'autre peut aussi porter ça. Ah oui, hein. On dirait étoile, on est un peu renversée. Renversée, justement. Ok. Merci. Alors, quand l'étoile, vous voyez ici, le point est au-dessus, ici, il y a deux pointes. Hein? Ça, c'est la tête de Satan. C'est à la forme des boucs. Maseke. Oui, c'est inversé. C'est inversé. Inversé, c'est la forme des boucs. Alors, quand ça a la forme des boucs, c'est la tête de Satan. C'est la tête de Satan. Alors, la différence, pardon, la différence entre les deux cercles, ça, le premier cercle, c'est avec le bout au-dessus. Ça, on utilise ça dans la magie blanche et ça, on utilise ça dans la magie noire. Attention, même si on utilise ça dans la magie noire, là, dans la magie blanche, sont les oiseaux de même plumage. Vous savez, moi, j'ai fait l'humanité pédagogique. Mais celui qui a fait la maths physique, il va te dire que pour lui, la maths physique dépasse. Mais nous tous, on recevait quoi? Les diplômes d'État. Donc bah, si nous, à tout moment, on a tatouage à Moutou, hasard déjà dans le monde. Hasard déjà dans le monde, voilà. Et la plupart des gens qui ont des signes ici, ils ont des moyens. Je n'ai pas cité ton nom. Je te connais bien, mais je n'ai pas cité ton nom. Ils ont des moyens. Et quand vous voyez ça même auprès de votre pasteur, dis-lui, appelle ton collègue en RDC. Et prends ton dictionnaire, dis à ton pasteur, c'est 5 branches. 1, 2, 3, 4, 5. Toi maintenant, apprends-lui. Et puis encercler. Encercler. Quand on a encerclé, c'est-à-dire, quand il fait les vocations, quand il fait le voyage astral, il laisse son corps, personne ne peut venir entrer. C'est ça. Personne ne peut venir voler. Alors, les signes kabbalistiques.
Deuxième déjà. Troisième, Yango. Troisième signe kabbalistique, c'est la main. Signe de reconnaissance. Je reconnais Satan. Attention, c'est différent avec ça. Je reconnais Satan comme étant le souverain maître absolu 001 Brahma Tetragamaton Lucifario. C'est ça. Signe de reconnaissance. Ah, mais qui le fait? Nous, on a caché un mot, ce qui est mis à ça, là, il y a le caché John Cena aussi. John Cena. C'est le signe kabbalistique. Et toute personne qui fait ça, il fait partie du monde. Prenons les grands joueurs dans le monde. Je ne cite pas le nom pour vous voir. Non, rappelez-nous, quel joueur fait ça? Quel joueur encore fait ça? Messi aussi a fait ça. Messi a fait et ça. Et l'autre ici, des Portugais ici. Cristiano? Cristiano aussi fait ça. Donc ça, c'est la reconnaissance au diable. Je reconnais Satan comme étant le souverain absolu numéro un du monde. Ah, mais c'est bien écrit. Il y a mon premier signe. Pentacle, deuxième, et en gros, ils cercle étoile inversé. Oui. Troisième, ils allient avec la main et les deux doigts. Alors, attention, il y a une différence. Tu vois les deux doigts là, mais c'est entré comme ça. C'est entré comme ça, okay. Oui, oui. Alors, si c'est entré comme ça, et cela veut dire, il peut, c'est reconnaissance. Il reconnaît Satan comme absolu quand se retrouvent les occultistes. Parce que l'occultisme, c'est vaste, mais il y a des options. Oui. Magie blanche, magie noire, les magie secteurs, rouge, tout ça. Alors, maintenant, il veut t'aider. Excusez, comme tu le bagages, Pierre Kanana vient dans mon roi, mon tout monde, boss, deux fois t'es. Alinga aider. Voilà, ils sont capables de vous donner même 100 000 $. Papa, excusez-moi, moi si je souffre parce que je le veux. Parce qu'en montant comme ça, il y a des gens là, impossibles, qui vont appeler mes petits. On est nos bons, mes petits. Je suis un petit, Si vous avez un témoin, je suis un vieux, nos bons. Je viens à une communauté. Alors, il peut te donner 1 000 $. Il peut te donner 1 000 000 $. Mais regardez ce que j'ai fait à Bimisa Tcheboy. Ce que Tcheboy a fait, c'est que ça qui nous donne. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée 4 et 6, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a aussi ça. Ça aussi, c'est 6, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6, 6, 6, 6. Ce sont des signes diabologiques ou bien des signes kabbalistiques. Il y a aussi ça. Mais ça c'est l'amour, non? C'est le cœur. Tout le monde a un joueur mingo à Tchéboy. Non, Bako Sarabino. C'est là. On le dit, c'est le cœur, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 côtés. 6 côtés. Alors, avec ça, si je suis dans la magie, et dans celle-là, même, je suis I love you, petit. Marina, elle est là au fort. Yo, m'ta kabou, elle est là, chérie. Claude est là. Donc, dans ce pays, ça y est, m'be canadien, c'est monde sans votre consentement. Donc, on bloque, m'be canadien. On bloque, ouais. On a pris ce genre. Barobomayo et Makilano Roya Pananga na Onguinda. Il y a une Bible sur mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut se méfier des signes. Il faut se méfier des signes. Et ces signes ici, vous les verrez dans l'église. Il y a une église aussi vivante qu'on utilise ces signes ici. J'ai eu des problèmes avec les pasteurs ici en RDC. Bah ça, c'est dans Pentacle. Oui, il m'a dit petit, il trompe les gens. C'est un papa, je ne cite pas son nom. Je lui ai posé la question, papa, ce n'est pas question de bagarre physique, hein? Je sais que tu es une grande église connue en RDC. Preneur d'Issonnet, tu as dit que tu es licencié en philosophie, je suis content. Bazui, dans le même lieu qu'à Dinabi, papa. Pentacle, non? Oui, c'est Pentacle. Mais pour un île. Et à la fin, ah, petit, tu n'as pas de l'église, hein? Non. Mais ce qui est vrai, si nous, il y a un cercle, là, il y a 5 côtés, ils ont l'église ébélée. Oui, mais c'est, je t'ai dit que. Ils ont la chair ébélée, même dans l'entrée de l'église. Pandemonium n'a pas pandemonium. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le pandemonium? Parce qu'on risque encore de porter plainte à. Mais ça semble être simple, non? Ils ont le droit simple, cercle, étoile, caca. Tu attires attention. Oui. Comment la pigeonne, l'autre cercle, quand on a 5 étoiles à 5 côtés. Ok. C'est ça. Pandemonium. Qu'est-ce qu'on appelle le pandemonium? Mais c'est la Russe. Dis ceci. Tu peux prendre ton dictionnaire, même votre Android. Hein, le pandemonium, ça s'écrit comme ça, intellectuel que vous êtes. P-A-N-D-E-M-O-N-I-U-M. Alors, qu'est-ce qu'on dit pandemonium? Y, pan, tout. Et daimon, démon.
capital imaginaire des enfers, lieu où règne tous les genres de corruption et de désordre. Alors quand j'avais dit, c'est comme maintenant je peux dire que Matongé c'est pandémonium, vous allez vous énerver. C'est lié où règne tous les genres de corruption et de désordre. Désordre et corruption. Oui, oui. On appelle ça pandémonium. Et nous avons aujourd'hui dans notre pays, en RDC, même à travers le monde, beaucoup des églises qui font partie des pandémonium. Hein? Excusez-moi de dire le terme. Oui, c'est ça. Alors, nous continuons avec le signe kabbalistique. Nous passons maintenant au quatrième signe. Le quatrième signe, on appelle ça signe satanique ou bien signe de Salomon. J'attends beaucoup de gens, oh non, et Salomon avait les signes. Mais quel est le signe que Salomon avait? Et qui t'a dit qu'il faut mettre les signes à l'église? Je dis, la Bible dit, les vrais adorateurs, je crois, Jean 4, 23, hein, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On n'a pas dit qu'il faut porter la chemise qui est passée, Claude, il faut porter le jean. Non, ce n'est pas ça. Alors, où est la différence? Je ne sais pas, mais c'est le journaliste, si vous voyez la différence entre les deux, parle un peu, c'est que, comment vous vous concevez ça, et moi je vais développer. Quelle est la différence que tu vois avec les deux? Bon, avec les deux, je vois un cercle. Oui, le cercle. Et puis, Namoni, deux pyramides. Oui, deux pyramides. Pyramide, les pyramides, debout. Oui. Deuxième, les inversées. Donc, et ça, le rôle a 6 côtés, en fait. 6 côtés, on appelle ça hexagramme. 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 Mmh. Et c'est ce que les pasteurs trompent les gens, ils utilisent les signes ici pour dire que non, Nazo, c'est la signe à Salomon pour avoir l'argent. Évidemment, pour avoir l'argent dans les deuxièmes mondes, on utilise les signes ici. Les signes de Salomon. Les signes de Salomon. Mais ce n'est pas biblique. Nulle part dans la Bible, on nous dit qu'il faut utiliser les signes de Salomon. C'est pourquoi j'insiste, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Même les Salomon, on a dit que c'est toi le Babou. Non. On utilise seulement le nom. Le nom seulement. Donc c'est ça. Ils ont pyramide, deuxième pyramide. Et ça, le roi forme une étoile, mon oui, six côtés. Alors, ils ont 6 côtés. C'est les 6 côtés ici. Et l'équipe a une puissance. Ah, ok. Oyo Batme Etirizango, à partir de Gourou. Quand on dit Gourou, veut dire maître spirituel. Dalai Lama sont des grands maîtres. J'espère que toi, tu n'es pas à ce niveau, mon frère. Dalai Lama, Mahatma, Gourou. Gourou veut dire maître spirituel. Mais à un moment donné, dans notre pays, en RDC, des gourous. Hein. Mais vous parlez de termes sans les savoir. Hein. Comment vous utilisez les termes pour le plaisir? Voyons un peu dans les dictionnaires, qu'est-ce qu'on appelle gourou? Le gourou. Gourou du temple. Et qu'est-ce qu'on appelle gourou? Excusez un peu. C'est les dictionnaires. Il faut bien connaître l'alphabet. Avec l'âge, ça fuit aussi. Mais bah, on va vérifier la bande. Coucou, okay. Pas de problème. Oui. Ah ok, j'ai déjà. Oui, oui. Lettre G, gourou. Gourou. Vous pouvez lire un peu dans les dictionnaires. Gourou, on écrit ça de façon gourou ou gourou. Qu'est-ce qu'on dit? On a écrit ici, nom masculin. Non, c'est ça ici. Oui, nom masculin, mot sanskrit. Oui. Maître spirituel. Ok. Donc un gourou est un maître spirituel. Ok. Au vrai sens du mot. Au vrai sens du mot. Alors maintenant, je m'adresse à tous les gourous. Je vous dis bonjour. Aux États-Unis, en Amérique, partout, les gourous. Mais les gourous, je vous dis que vous devez vous convertir. Parce que votre ami aussi qui avait le niveau supérieur s'est converti. Et j'ai compris que tout est vanité des vanités. Jésus-Christ est au-dessus des gourous. Alors, pasteur, Claude Bagbaye Baraté. Comment il y a un niveau ni dans le monde dans mon lit, dans le monde occulte? Non, je suis clair. Nazara qui est un niveau ambassadeur 006 pour l'Afrique. Nazara qui est ambassadeur. Il y a un caporal, il y a un général, il y a un deuxième monde. Nazara qui est ambassadeur, Nazara même un dossier à l'Afrique pour que nous côtés à la réunion. Parce que la réunion, il y a un lundi, mercredi, vendredi, on a une réunion assez. Mais la réunion, il y a un grand maître, et ça, il y a chaque samedi. C'est pourquoi au moins chaque samedi, Satan lie au moins 1 million de personnes à travers le monde, pas en RDC. 1 million de personnes. Alors, la question peut être posée. J'attends souvent le Batubara, samedi à l'eau, samedi à Makam. Qu'est-ce qu'on appelle sabbat? Sabbat? Samedi, jour, on a l'air à moi. Ah non, ça sont des mensonges, bah quoi ça va dire? Samedi à Makamo. Ben, bon, on a un zimbot. Eh, samedi à Makamo. Samedi à Lolo, on a un de Kobima. Posso à Lolo. Alors, vous pouvez un peu lire le mot sabbat. Donc, vous m'excusez, moi, j'utilise un peu beaucoup l'intellectualisme hein, pour aider souvent les intellectuels à comprendre des choses. Alors, sabbat, vous allez jour de repos. Oui. Hebdomadaire.
du vendredi soir au samedi soir. Consacré à Dieu. Attention, les dieux en majuscule, les créateurs des cieux et de la terre. Oui. Consacré à Dieu. Oui. Dont la loi mosaïque fait à tout juif une stricte obligation. Point. Point. À la ligne maintenant. Assemblée nocturne des sorciers et des sorcières qui, suivant la tradition populaire, se tenaient les samedis à minuit sous la présence. Sous la présidence de Satan. C'est ça qui se passe. Donc, tapage, vacarme. Donc chaque samedi, Satan, demain c'est sabbat, il va manger au moins 1 million de personnes à travers le monde. Donc vendredi soir, si samedi soir, ils ont faux temps. Et c'est pourquoi vous voyez, chaque samedi, il y a le mouvement dans le monde. L'ambiance. L'ambiance et tout ça. Et là, c'est uniquement pour les chefs. Et le jour où j'avais parlé ça, les gourous d'RDC étaient venus me voir. Il m'a giflé, il m'a donné 3 giflées. C'est une personne importante. Je lui ai dit, mon frère, je sais que tu es intouchable, mais tout le monde est touchable à ta table. Moi, tu sais comment je l'ai détruit? J'ai dit non, je vais détruire tes parties chakras. Parce que toi, tel que tu me suis là, tu sais qu'il y a un sorcier des parties chakras. Alors, si vous détruisez les parties chakras, même si ma partie chakra cause un liboma, donc, cause à nos colonels, aux bêtises, nous avons promis, mais il y a comme nous, Willy. Na côté de prière, parti chaka wili, lisunaye, troisième ey, fascination supérieure, na côté de prière, vous avez beaucoup de chance à vous aller. Bon, bien, comme un vertige. Donc, vous avez troublé, vous avez troublé, vous avez troublé, vous avez parti chaka, vous avez baby. Je l'ai dit, mais. Baby si bien, vous pas de problème. Ceux qui ont eu l'andanga, au moins, vous avez grand maître. Même aux années RDC. Vous voyez, quand ça est débat, il y a au Pessinga une semaine, il n'y a pas de problème. Donc, quand on a calme, ça peut vous battre. On a détruit sérieusement au moins les communes. Mais vous avez dit licencié à Nini? Non, licencié en magie. Dans la classe en magie, na ça qui grande distinction. Il y a une idée qui est 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 une idée parce que Kala, Kindo qui est une idée. Mais le lot de Giza m'a cassé la banane à Mikek et Bamikolo. Donc, on a dit que ça a été fait sa banane à Mikek. Alors, Satan s'est plaint, on m'a cassé. Dans l'inventaire, il y a idée ou un projet. L'inventaire, il y a pardon. L'inventaire, il y a besoin. Donc, on a mis Bilé, Bazoba, Kindoki, Basira, Bazaïr, Wana, Nagima. Mbote Bandeko, Ezanga, Maman Mikanaeli, Soussou, na traitement naturel, on a ma maladie incurable et chronique. Tozo, traiter maladies eurésalimium, kyste, stérilité, nerfs sciatiques, hémorroïdes, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, diabète, eusa sucre, tension, aux en la tension hyper to hypo, tozo soigner en très bien. Aux en la problème il y a hernie, il y a ka solution ezali et pas maman Mika. Ba produit na biso ezali très efficace et puis tozo na ba témoignage ebelé. Yo mutu nerfs sciatiques et tundisio longtemps. En tout cas, ndeko na ko hésiter te ya ka na lombangu solution ezali ya bien okozo ba cure akito ko pe okosepela. Maman, papa, osa un problème ya stérilité et roumeli. Zongi se sengo na libala na yo, ya kambango e pa maman Mika ko se décourager te, solution ezali ya malamu pe rapide. Côté cosmétique, na tiki binote bandeko na nga, tozo soigner. Problème ya nduta, tampon, cancer des peaux, graisse, bouton. Toza la bama futa, oza li crème réparatrice pour na tampon, toza la temetis pour na bata pembe, ndeko na yo mutu pembe na yo e baby eza ya ko gâté, ki mambang e pa mika cosmétique, ba produit na biso ezali naturel sans hydroquinone. Alors toza li na crème de beauté mika normal pour na bata mwindu, na bata chocolat. Toza na gommage pour na ba bouton, toza na lotion tonique pour na bata ba graisse. Solution ezali ya lombango. Yom tozana problème à souki li bande sala yo. Souki katana katanaka. Ndeko yaka mbango tozana pomade à souki na huile à souki. Tozali na savon noir na biso pour na bato bala problème à allergie mikousa. En tout cas, savon noir est très efficace et kotia bino à l'aise na douche. Tozana huile d'anana pour na bato bazana peau sèche. Ndeko kima mbango we. Ah, tozali na pomade anti-sola mapeka. Yom to salara misala maboko. Okendara classe, okendara kayou. Benga biso na plus 243 89 98 27 674.
Adresse Nabiso Ezali, commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pozo numéro A17. Boyambang, bye. C'est question mouta zoaka biscuit. Appelez ça moi nanayo, hein? Alobino, zoa biscuit yo. Pesa nga papa Claude Mwamba, hein? Mwana, hein? Inconscient. Bojo abino allié biscuit. Comme c'est mon sang, il y a déjà des effets. C'est pourquoi nous devons veiller si nos enfants, pardon maman, pardon papa, veillez tous tes enfants, même s'ils vont à l'école. Nous maman, côté baninga, lelo kindoki. Je suis pasteur, et ça n'a pas autant, n'a pas autant, mais bezé à koubé ba makasi. Aba français, je sais pas où c'est, kousi kousa, et comment tu vas, mais ma ramounasse, on dit. Alors, ça c'est très bien, pasteur Claude, ancien magicien. L'essentiel en sorcellerie, l'essentiel en magie noire, et surtout magie blanche. Oui. Magie blanche. Mais il y a distinguer la magie. Magie mixte. Mixte, c'est-à-dire noire na blanche. Alors, quand on parle de syncrétisme, c'est l'ensemble de magie. Là, je n'ai pas fait ça. Mais je suis étonné quand on a dit que c'est la syncrétisme. Ça va, ça, les droits, économie, tout ça. Le mélange, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, je peux quand même te faire plaisir, mais ça n'existe pas. Alors, merci beaucoup. Je crois que les signes kabbalistiques. Oui. De vos exposants. Mais signes, il y a étoile. Moi, on a un drapeau de circuit. Ils ont lune, ils ont moi étoile pémine. Oui. Moi, on a un drapeau en bougébélé, symbole de la déesse. Naïbité. Bah, on a un symbole de la déesse. Hein. Oui. Mais moi, on a un drapeau de circuit. Au moins, on a un morceau, il y a lune, on a moi étoile pémine. Oui. Le drapeau a payé Bélé, Pézani. Naïbité. Il a signé la déesse. Oui. Quand on parle de la déesse, on voit quoi? La prostitution? Non, quand on voit la prostitution et quand on parle de la déesse, on voit la sirène. La sirène. Attention, ici, quand on parle de déesse, ce n'est pas sirène. Hein? On a dit signe de déesse de la lune. Hein? De la lune. Diana. Alors, dans la lune, il y a une femme. La femme, là, on l'appelle la reine hein, du ciel. Nous femme, tout le monde a mis moi dans le tour. Ah. Hein? Là, man, un jour, j'ai eu le débat. On m'a donné des coups. C'était avec des gens qui avaient les soutanes. On était en débat. J'ai dit à l'autre, mais vieux. Mais moi, j'ai parti là-bas. Je te connais bien. Mais à la télé, on ne passe pas pour se créer pas de problème. Moi, je te connais. J'étais vu toi quand j'ai parti à la ligne. Et je suis sorti avec cette femme-là. Oh! Ah, mais moi, j'étais sorti. Toi aussi? Yo. Mais j'ai Maman, on te demande à maman qui tourne dans la sanzana. Oui. Azamo sinon. Oui, j'étais sorti avec elle. Abima peine à battre, mais il ne sort pas avec n'importe qui. Il sort avec Bato Baza Bagour, niveau supérieur. Mais mère, on peut dire à l'imoi. Tout le monde a été soupé. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un Congo. Comment est Diana? On l'appelle Diana, ou bien la reine du ciel. Et Aza, c'est la troisième personnalité au monde entier dans Kindoki. Ce n'est pas n'importe qui. C'est l'unique femme. C'est un appel comme on est dans la Bible. Hein, comme ça, c'est Jérémie. Hein, Jérémie 7. Je sais que tu es quelqu'un qui sait. Tu peux suivre ça. Jérémie 7. Ça ne sert à rien d'injurier. Si tu vois que ce n'est pas dans l'un, tu demandes. Non, je voulais faire les causes un peu, expliquer. Moi, même si tu m'appelles menteur, je ne peux pas. Mais je suis seulement dans la Bible et les dictionnaires. C'est tout. Alors, moi, ce il y a sans arrêt comme on est en haut. Jérémie 7, verset 18. Moi, c'est envoyé. 18, c'est ici, non? Oui. Jérémie 7, verset 18. Je dis bien Jérémie 7, verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes prêtrisent de la pâte pour préparer des gâteaux à la reine hein? Du ciel. C'est clair ici. Donc, il y a une image jouant tout le monde dans la ligne. Voilà, c'est une reine du ciel. C'est vraiment une femme. Oui, reine du ciel. Troisième personnalité. Donc après Satan, après Premier ministre, sa deuxième mot, c'est cette femme-là. Et cette femme ici fait beaucoup de sacrifices. Je vais te parler en grand. Chaque le 24 décembre. Le 24 décembre. La reine du ciel. Oui, on l'adore. Le 24 décembre. À la veille, il y a Noël. Maman, si c'est quelle maman, c'est celle-là. C'est ça. Donc c'est la reine hein, du ciel. Alors, merci beaucoup, pasteur Claude, sur les signes sataniques. Tout le monde a pentacle, les églises et belé, tout le monde. Ça, c'est. On appelle ça les signes svastika. Svastika, Oyo. On a
naba soda Hitler. Regardez bien. La guerre, la guerre à 40 à 45 le basoda Hitler allemand. C'est le signe qu'a laissé d'allemand avec signe sur ba beto massa c'est aux royauté au coli moi. Il y a un monde pays, il y a eu des gens même en RDC à l'époque entré à Fidel, hein. Ba beta ka général ba be alim ba bi aza quelque part. Bye bye ka do. Ah bah si non on donc il va permettre au limo au disparaître. Oui. Alors muto ebay ka aza quelque part aza pe muto monde wana. Ah OK. C'est ça, donc c'est ça. Donc oyo okumuna ona be église, oyo okumuna on pe na ba drapeau, ya ona bible zoloba mon peuple périt faute de connaissance. Na habite sena konté na ba signe ngoyo za biso temps. Et za biso donc konté ba signe ze belé ba 666 bana moni ba signe suba S Satan de S. Oui, bien, avant ma conversion, ceci n'est pas qui n'a fait l'église église évangélique de Natas au Congo. J'ai écrit un peu Natas, n'a commis. Alors, ceux qui font l'église Natas, moutouman n'a pas été que ça Satan. Tout comme on a Satan, n'a commis Satan, tout renversant au PC, N, et PC, A, et PC, T. Et puis si A, et puis S, va bien à Kevin Natas. C'est le nom de Satan. Alors, si on a tiré Natas, on a idée. C'est comme tant que ça, on a réuni M. Sonabi, on a kindo kibalobi no Marcos. Tout vendi, on a dit, on a Jérémy Marcos, on a dit, bon, tu Jérémy. Langage technique. Marcos, on a dit, c'est une formule mystique, dame mouton, on a dit, on a dit, oh, mouton, oh, Jérémy, ah, mouton, on a dit, Claude, Marcos. Donc, bon, yo pe gidi. Tu ne sais pas. Alors nangana font l'église de Natas. Bat banaba e baté que ça Satan. Akona Congo ba toya ka biya ya. Dia comprend bino, il faut que je fasse tout que muto a bon ma sokité. Ça sera catastrophe. Donc on crée église comme dans l'église évangélique de Natas. Natas. Comment on explique ba tout Natas veut dire quoi? Non, c'est un nom seulement que j'ai pris comme ça. Natas ka comment moi nanana. Mais toi mais si sera on a Satan inversé. Ah bat bazo ko fa mon peuple périt faute de coup. Donc Satan et ça lui Natas. Oui oui. Et ce pour renverser Natas et pas si Satan. Justement. Na Monico. Et zandenge ba tout balobaka F F F Fédération française de football. F est la quantième lettre dans l'alphabet. Sixième. Sixième, bien sûr. Six. Il y a la Bible, Zoloba. Mon peuple est périt faute de connaissances. Mes amis, tous en attendent de la fin. Nous devons nous réveiller. Réveillez-vous, mes amis. Naïete koye biso ya n'église. Naïe koye biso te, naïe koye biso kangama na Yezu. L'église passera, mais Jésus ne passera pas. Mais justement, au bout de le soir, Abakadabra, puis l'autre fois, Abakadabra, tu as un album y a mis ça dans le morceau Mbango. Mais tu as commencé une église. Oui. Il y a un prophète ici. J'ai eu des problèmes. Je crois que j'étais passé ici. C'était avec Alvin. Oui, Zaki Joël Francis. Il a parlé des gens sur. Bon, moi, je sur Abakadabra en église. Et je cite pas les noms, mais j'explique. Mais la vidéo existe. Ils ont un mot populaire. Oui, oui. Bon. On vous a dit abracadabra. Commençons d'abord par les musiciens là. Oui. Toujours un dictionnaire. Prenez ton dictionnaire, Larousse intellectuel. Possibilité, prends, je t'aide, mon frère. Prenons les dictionnaires. Le mot abracadabra est là. C'est ça, abracadabra. Qu'est-ce qu'on dit abracadabra? Mot kabbalistique grec, extraordinaire, étrange, histoire abracadabrante. N'est-ce pas? Dans les, pour comprendre le mot abracadabra, il faut d'abord voir le mot kabbalistique. Qu'est-ce que signifie kabbalistique? Ok, c'est ça. Nous allons maintenant dans les dictionnaires profanes toujours. Nous cherchons maintenant au début qu'est-ce qu'on appelle kabbalistique. Vous voyez maintenant le mot kabbalistique. Kabbalistique, mystérieux, énigmatique, signe kabbalistique. Bah, signe kabbalistique, yango. Bah, signe, on appelle ça des signes kabbalistiques. Mais c'est vrai, grand mon père, yemba on a nzembo et puis prophète, on appelle ça l'église. Les signes kabbalistiques. Les signes kabbalistiques. Kabbalistique. Aigle, c'est un signe kabbalistique aussi. Aigle aussi. Oui, c'est les signes kabbalistiques. Ça, c'est le niveau soumoum. Je ne sais pas, excusez-moi, le terme soumoum, c'est-à-dire le plus haut niveau. Le soumoum, là, c'est l'aigle. Parce que l'aigle est différent avec les pigeons. Pigeon matarame, aigle à matarolika pigeon. Mais attention, aigle à matarolika pigeon, sauf par le bas, ça, la chit, chit, ne vous a la grave. Donc, aigle qui est au sommet. Oui, oui. Mais sauf à chiter. Ils ont grave que les canards pigeons parce que les pigeons s'est limité à quelque part. Ils ont le coup là,
avion et matarali kolo na titi dali kolo makas mais fusée le qui avion vous êtes d'accord avec moi? Ah oui je vois. Okay. Alors ça c'est très bien dit la musique comment vous le comprenez? Alors balobi mot kabbalistique. Kabbalistique veut dire mystérieux. Mystérieux. Des signes kabbalistiques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Satan, tous les démons, Astaroth, Bézéboul. Satan, tous les démons, Astaroth, Bézéboul. Ça fait partie des signes kabbalistiques. Oh, mais on a pas catholique, il n'est pas ça. Moi, je t'ai dit ce que moi je sais, je ne connais pas l'Église. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit. Amen. Même le Kimbangi, c'est le Barangoto. Combo à Tata, moi, Namoulimo. Bon, moi, je t'ai dit ce que je connais. Mmh. Hein? Mmh. Je ne sais pas, je ne te cite pas le nom d'une église. Mmh. Je t'ai dit, ça fait partie des signes kabbalistiques. Satan n'a pas peur d'un signe kabbalistique. Écoutez, Satan n'a pas peur. Pasteur Mokote, na RDC, même nga, na obangi sa Satan. Satan a banga ngate. A banga pe, ba représenter à l'église, Satan Mokote, pour na réunion samedi, puis on se tosa fou kama. Tant qu'on a zaï na magie. Je t'ai dit, na kota n'a le bon combat batouté, na réunion na pandoumounim, tosa fou kama. Biso, nyon se tosaï kokouta na kuna. N'a pas pasteur. Il n'y a pas de musiciens dans la réunion. Ah, mais bon politique. Il y a une messe noire. Quand on parle de messe noire, ça m'a lobby samedi. Donc c'est ce qu'on appelle signe kabbalistique. Satan, tous les démons, Astaroth, Bézéboul, ça fait partie des signes kabbalistiques. Alors, tant que les musiciens sont en abracatabra, ils ont un bras, ils ont 5 ans à pamba. Ils ont moqué, ceux qui avaient prévu au Koufana 60 ans, au Koufana 55 ans, il n'y a pas de problème. Alors, ce que lui faisait là, les pasteurs, les prophètes. Ce qu'il faisait là. À l'église. J'étais passé ça à l'émission. À Zolongla Batuba 5 ans. Ah! C'est la puissance du monde à Bracatabla. Et on a en même temps, on a les cas qui ont dit, oh, tu es battant que c'est comme on a un dictionnaire. Hein? Mm. Et puis, bah, yé, bisayang. Raïf, c'est ngab dans le lobby. J'ai eu le téléphone. Excusez, c'est toi le pasteur Claude? Mais tu es un grand. Mais pourquoi tu dis des choses comme ça? Moi, je n'ai pas cité ton nom. J'ai expliqué au peuple de Dieu, je n'ai pas cité ton nom. Tout est clair. Tout est clair. J'ai expliqué au peuple de Dieu. Je n'ai pas cité ton nom. Oh, merci. Alors, nous sommes en train de vivre une époque, une période très compliquée. Non, c'est biblique. Ne vous étonnez pas. La Bible est claire, Lobby, que dans les derniers temps, il y a des loups au milieu des brebis. Balou ango banani, biso ba pasteur. Excusez-moi, parce que balou ango isa biso ba pasteur. Les loups, moutaza pasteur, netinga Claude. Il sort avec les filles à l'église, avec les mamans d'autrui. C'est biblique. C'est pourquoi je te dis, il y a en église, c'est pour la masse, pour battre les bébés. Comme ça, nous sommes en esprit en vérité. Nous sommes dans les temps de la fin. Oh, ma camion, c'est ça, bébé. Aujourd'hui, il y a confusion. Confusion, on ne sait pas qui est passé, qui est qui. Hein? L'autre fois, vous avez suivi, et dit, il va passer, il va pas naïe. Hein? Ah, bon, moi, même, je suis dans ce quartier, mais vendez-nous, bébé, bébé, bébé. Entre nous, en tant qu'ancien quartier, on doit causer. Ce n'est pas dit pour nous passer dans le quartier. Hein? Mais petit, yo, je suis même. Bon, ben, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas porter la plainte. Je dis, bon, je ne sais pas ça. Je dis, bon, à l'objet, je ne sais pas ça. Voilà, on va poursuivre l'émission très prochainement. Merci à Mimi Ndoumé depuis Moshing là-bas. Merci encore une fois à Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi Forza Italia, le président Pedro Mutu, leader à jeunesse, association Main dans la Main, depuis la ville Fontaine, mais aussi partout en France, les célèbres Dienzundu na Washington, grand frère propre, les Mutu Fumuzingi, Jean-Claude et chef coutumier à Paris, et enfin, je dirais merci à l'homme de Dieu, pasteur Jérémy, l'homme de Malembankoulou et Maman Fanny Kaboulou. Je vous salue très respectueusement. Et Makanaki de Lucerne depuis Suisse-Irlande, la Pessio Mbote. Nous voici devant vous, mesdames et messieurs. Merci encore une fois pour vos appels, vos messages, vos suggestions. Le pasteur Claude était là avec nous, ancien magicien, ancien occultiste, plusieurs fois diplômé de la sorcellerie. Azamoto a une expérience dans le monde de Moulili, il connaît le monde de la musique, politique, monde de l'église. Ce qui s'est fait en réalité dans le milieu sorcellerie, que je crois que l'homme a tout décortiqué. Tu as ça là-bas, des émissions par émission pour que vous découvriez les sous. L'homme de Dieu peut-être un numéro, hein? On peut s'arrêter. Merci, Pasteur Claude Mwamba. Mon numéro, vous mettez d'abord le code 243 9.
9, 9, 9, 4 fois, 48, 298. Code 243, 9, 9, 9, 9, 4 fois, 48, 298. Là, vous appelez, moi-même, je vais prendre le téléphone. Alors, concernant le signe de Massanga, tu as aussi ma. Oui, le signe de Massanga, là, on va entrer prochainement sur les mous, hein, parce que les mous, c'est ce qu'on fabrique les boissons alcooliques. Je vais donner la différence entre les sucrés et les mous. Et la bière, mais je ne vais pas citer le nom de la bière pour ne pas créer de problème, mais je vais donner la différence. Dans la bière, donc derrière toute une bière, il y a aussi une puissance qui se cache. Oui, je vais expliquer ça prochainement. Voilà, ça c'est bien. Merci à tout le monde. Mimi Abandou, mais je vous salue. Les célèbres Dien Zundu à Washington, merci à mon vieux Gérard Sadam depuis Manchester. Yalu Zombala de Madrid, vous êtes tellement ébélé, merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, donc appelez-nous, contactez-nous comme à l'accoutumée. Et ça va nous faire toujours du bien. Merci l'homme de Dieu. Merci, monsieur le joueur. Voilà, bye.